Bienvenue sur le podcast Harmonic Universe, votre podcast sur l'éveil spirituel, la vie extraterrestre et l'ascension planétaire. Je suis Laura Marie et au programme de ce podcast, la loi du consentement. De nombreux humains aujourd'hui s'éveillent à la réalité de la présence extraterrestre, de l'existence d'anciennes civilisations plus avancées ayant peuplé la Terre, des différentes manipulations mondiales opérant depuis des millénaires, ainsi que du processus actuel d'ascension vibratoire qui est en train d'être opéré de manière accélérée depuis fin 2012. Parallèlement, les tentatives de manipulation de masse, de programmation de la conscience collective et de manifestation de réalités futures chaotiques se multiplient. La confusion se répand au sein de la civilisation humaine qui ne sait plus discerner le vrai du faux, le bon du mauvais, face à cette masse d'informations désormais disponibles via la technologie grandissante. Pour comprendre véritablement comment l'humanité a pu être victime de tout cela et ce pendant si longtemps, il convient de comprendre tout d'abord notre passé, notre véritable histoire, ainsi que les techniques utilisées pour infiltrer le psyché humain de la manière dont il a été infiltré, créant les conséquences catastrophiques que nous pouvons constater sur Terre, telles que le non-respect de la vie, la destruction des ressources naturelles, la recherche de pouvoir, de domination, la misère sexuelle et les divisions entre le féminin et le masculin, l'absence de spiritualité ou à l'inverse l'adulation de figures spirituelles, le contrôle et l'asservissement par les religions, la victimisation du peuple par ses bourreaux, dirigeants, pédophiles et psychopathes, l'idolâtrie de célébrités, la vie par procuration via la télévision et l'industrie du cinéma programmant au quotidien les esprits, la recherche de la distraction, du confort et du divertissement, plutôt que le développement de sa conscience via un travail spirituel. Dans l'univers, il existe des lois, qui sont bien loin des lois humaines. Lorsque les lois universelles ne sont pas respectées, cela engendre des conséquences énergétiques à rééquilibrer. L'humanité, ignorante de ces lois et ayant été déconnectée de sa véritable nature cosmique, est donc en effraction permanente de ces lois sans même le savoir. Également, ignorant la loi du consentement, l'humanité ne comprend pas dans quelle mesure elle consent à ce qui lui a été fait et à ce qui continue de lui être fait. Par son ignorance, l'humanité consent chaque jour à laisser perpétuer des actes contraires aux lois divines et aux plus hautes valeurs morales. Les humains en subissant alors les conséquences karmiques lors de leur réincarnation, jusqu'alors recyclés continuellement dans cette matrice de contrôle hyperdimensionnel. En effet, si de plus en plus d'humains réalisent le système de contrôle dans lequel l'humanité est enfermée et s'éveillent aux scandales politiques, financiers, militaires ou de santé, très peu encore ont conscience de la nature multidimensionnelle du système de matrice artificielle, s'étendant au-delà de la troisième dimension et créée par différentes races extraterrestres et entités interdimensionnelles. La manipulation sur Terre ne s'arrête pas à celle qui est uniquement visible dans la troisième dimension, orchestrée sous nos yeux avec des marionnettes humaines réalisant des agendas bien précis, ce que l'on appelle communément la cabale. Les Illuminati, le gouvernement de l'ombre ou encore le nouvel ordre mondial. Mais prend racine dans des dimensions invisibles, au travers de sociétés occultes, mais surtout de ce que l'on peut appeler de prédateurs cosmiques, appelés communément les archontes, œuvrant avec certaines factions du complexe militaro-industriel. L'être humain est en effet bien loin d'être tout en haut de la chaîne alimentaire comme il le croit. Ces races extraterrestres, extradimensionnelles et interdimensionnelles, fonctionnent comme des parasites qui, dénués de toute forme de connexion divine du fait de leur propre choix, ne peuvent produire leur propre énergie et ont ainsi besoin de se nourrir des sources d'énergie présentes au sein des colonies qu'ils envahissent. L'humanité est donc utilisée comme géante ressource de nourriture principalement énergétique pour ces entités parasites sans foi ni loi qui utilisent la naïveté, l'ignorance, le déni, les peurs des êtres humains, mais surtout leur consentement
directes ou détournées, pour les utiliser physiquement, mentalement, émotionnellement et énergétiquement. Avant d'aller plus loin dans l'investigation des techniques utilisées par ces forces pour obtenir le consentement détourné des humains afin de perpétrer leurs propres agendas, il convient de préciser que tout ceci est partagé, il est évident, non dans un but de faire peur, mais à l'inverse, pour aider, par la conscience de ce qu'il se passe réellement, un maximum d'humains à se libérer eux-mêmes et à retrouver leur souveraineté. En effet, seule l'ignorance peut nous garder asservis. La connaissance libère et notre propre pouvoir réside dans notre capacité à comprendre et à identifier ce qu'il se passe réellement, au-delà des illusions, dans chaque situation, afin d'avoir ensuite les solutions les plus efficaces pour agir. Lorsque nous n'avons conscience que d'une seule partie du spectre de la réalité, alors nos décisions et nos choix sont eux aussi limités. Nous pouvons alors avoir l'impression d'être heureux ou même éveillés, comme c'est souvent le cas dans les programmes de déception et de désinformation New Age créés par ces mêmes entités, alors que le véritable réveil passe par le courage de regarder en face tous les aspects de la réalité, aussi laid et négatif soit-il. Le véritable réveil est douloureux, car il implique obligatoirement d'immenses désillusions, que peu sont encore prêts à affronter. Mais la réelle maîtrise et maturité spirituelle réside dans la parfaite connaissance de la guerre spirituelle qui opère multidimensionnellement, et dont la Terre est l'un des principaux terrains d'affrontement. Cet apprentissage doit être fait dans le maximum de neutralité émotionnelle possible, c'est-à-dire pas de colère violente ni de haine, et surtout en évitant de tomber dans des fréquences basses de peur ou de paranoïa, ce qui produirait l'exact inverse de l'élévation vibratoire par la conscience qui est nécessaire aujourd'hui pour l'ascension de la civilisation humaine. La peur n'est autre que l'oubli temporaire ou prolongé de notre véritable nature et puissance cosmique, en tant qu'être divin connecté à la source et entouré de guides spirituels et forces cosmiques positives qui nous soutiennent, si tant est que nous ayons fait un travail suffisant de démantèlement de notre ego négatif afin de résoudre tout conflit d'autorité entre notre âme et notre ego et afin d'être clair dans notre intention de servir notre plus haut potentiel divin ainsi que d'accomplir notre mission spirituelle. C'est cette puissance énergétique reflétée dans le pouvoir de nos intentions en tant qu'être créateur par la pensée et par la vibration, qui est ciblée par ces forces qui font tout pour nous la faire oublier. Aujourd'hui, il nous est demandé de nous reconnecter à cette véritable puissance, de comprendre ce qui a été fait à l'humanité, quelles sont nos responsabilités individuelles et collectives, d'apprendre à dire non, et cela dans la neutralité émotionnelle, et surtout d'apprendre à discerner ce qui sert la vie de ce qui la détruit, afin de rectifier la trajectoire du futur de l'humanité et du cosmos tout entier. Les 10 techniques d'obtention du consentement de l'humanité. Nous allons à présent voir une à une les formes principales de consentement que l'humanité donne de manière individuelle ou collective, et consciemment ou inconsciemment. Il convient pour chacun d'entre nous de nous poser la question suivante. Pour chacun de ces points, dans quelle proportion suis-je en consentement et dans quelle mesure est-ce que je participe à cet agenda négatif, c'est-à-dire anti-vie, dans mon quotidien ? Une introspection honnête nous est demandée afin de comprendre et ainsi de rectifier notre consentement direct ou détourné. Technique numéro 1, le consentement à la domination et à la tyrannie versus le respect de la liberté et de la souveraineté, l'équilibre et l'harmonie. En acceptant d'être dirigé et influencé par des personnes psychopathes, non empathiques, n'ayant pas nos meilleurs intérêts à l'esprit, gouvernés par une soif de pouvoir et de domination, nous consentons à ce que la réalité sur Terre soit la tyrannie et la guerre, et ce depuis des millénaires. Le vote, à lui seul, est un consentement à accepter ce système de tyrannie et de domination.
Lorsque nous votons pour un candidat, nous consentons, premièrement, à être dirigés, deuxièmement, à tout ce que ce candidat a fait ou fera, toutes les décisions qu'il prendra, puisque nous le validons par notre vote, même si c'est à cause de l'illusion qui nous a été présentée que nous n'avions pas le choix. Nous devons en permanence choisir entre la peste et le choléra, sans penser qu'il y a un troisième choix, ne choisir aucune des deux infections. Sur un autre plan, les archontes utilisent ce consentement pour ensuite porter l'humanité responsable de ce qui lui est fait, sans en subir eux-mêmes les conséquences karmiques. Ainsi, il convient de se demander, de quelle manière contribuons-nous à perpétuer ce système tyrannique? Avons-nous des attitudes tyranniques ou cherchant à dominer les autres? Quand acceptons-nous la tyrannie également dans nos vies au travers d'un conjoint, d'un collègue, d'un membre de notre famille ou d'un patron? Comment pourrions-nous incarner nous-mêmes le respect de la liberté et de la souveraineté de chacun, l'équilibre et aussi l'harmonie? Technique numéro 2, le consentement à la victimisation versus la responsabilité individuelle et collective. La suite logique du consentement à la domination et à la tyrannie est le consentement à la victimisation. Lorsque nous nous plaignons du gouvernement, que nous blâmons les autres pour notre propre incapacité à créer notre réalité, lorsque nous acceptons les programmes de pauvreté ou de misère au sein de notre conscience, alors nous ne prenons pas notre responsabilité individuelle et collective et nous nous réfugions derrière le statut de victime qui est encouragé par la société et par ses forces qui ainsi peuvent plus facilement abuser d'un être qui a oublié qu'il est créateur de sa réalité en chaque instant. La non-responsabilisation est un signe d'immaturité spirituelle et c'est uniquement lorsque nous prenons notre responsabilité individuelle et collective face à ce qui nous arrive dans nos vies que nous pouvons véritablement nous libérer via la conscience des procédés d'infiltration des forces archontiques, via la mise en lumière de nos propres failles et par la guérison de nos blessures. Technique numéro 3, le consentement à la manipulation par les religions versus la connaissance de notre réelle histoire cosmique et l'identification des systèmes de manipulation de masse et d'endoctrinement. Toutes les religions ont été créées et infiltrées par les archontes, sans exception, la religion New Age y compris. Elles utilisent toutes des vérités apportées par des êtres qui ont voulu aider l'humanité, mais tous leurs messages ont été infiltrés et détournés, dans le but d'en faire des instruments de contrôle de la civilisation humaine. Aucun dieu bienveillant ne peut demander le sacrifice de qui que ce soit, le meurtre ou la guerre, ou de quelconque vœu de pauvreté ou de chasteté. Les archontes se considèrent comme des dieux et ont manipulé la véritable histoire de l'humanité dans le but de l'endoctriner dans des systèmes de croyances qui formeront ensuite sa réalité falsifiée. La connaissance de notre véritable nature cosmique via un travail sérieux de recherche et de reconnexion spirituelle est ce qui nous permettra de pouvoir identifier toute forme d'endoctrinement de masse. Technique numéro 4, le consentement à la division versus l'union et l'unité dans la maturité spirituelle. Frontières, pays délimités, racisme, opposition entre les sexes, discrimination physico-sociale, lorsque nous acceptons d'encourager tout ce qui divise au lieu d'unir, alors nous consentons aux dommages faits sur l'humanité en la divisant horizontalement et verticalement. Le corps est séparé de l'esprit et de l'âme, les hommes sont séparés des femmes, les noirs des blancs, les chrétiens des musulmans, etc., etc. Tout ce qui a contribué à créer des divisions entre les humains provient des archontes et de leurs techniques massivement utilisées, divisées pour mieux régner. L'heure est aujourd'hui à l'unité. Mais attention, unité ne veut pas dire acceptation de tout. Nous devons aujourd'hui apprendre à incarner l'unité tout en sachant mettre des barrières saines à tout ce qui tente de détruire la vie, loin de la naïveté qui est contraire à la maturité spirituelle. Quand acceptons-nous de contribuer à la division des humains par nos actes, paroles et pensées?
Sommes-nous des véhicules de médisance sur les autres? Cherchons-nous à encourager les autres ou à les critiquer? Nous sentons-nous nourris lorsque nous participons à des attaques, quelles qu'elles soient, sur d'autres êtres humains? Si oui, alors nous devons prendre conscience que dans ces moments-là, nous sommes envahis partiellement ou complètement par des forces qui se nourrissent de ces énergies et les encouragent au sein des groupes d'humains. Le conflit, la division, les drames de l'ego étant les techniques les plus utilisées afin de récolter les pertes d'énergie des humains. Comment puis-je devenir un véhicule qui encouragera l'union sincère des humains plutôt que la division? Comment puis-je apprendre à communiquer plus gentiment, avec plus de bienveillance et de respect envers autrui, et en essayant de me mettre à leur place tout en conservant des limites saines et tout en me respectant moi-même? Comment puis-je développer ma maturité spirituelle afin de ne plus pouvoir être utilisé comme véhicule pour attaquer un autre être vivant? Technique numéro 5, le consentement à l'abus, à la cruauté et à la violence, versus le respect de toute forme de vie. Par l'ignorance volontaire ou involontaire, déni ou non-action envers les actes d'abus, de cruauté et de violence perpétués sur Terre, surtout si éloignés de nos yeux, concentrés sur nous-mêmes et noyés dans l'amusement et la distraction, nous y consentons. Également, si nous avons fait le choix d'écouter les programmations New Age créées par les archontes dans le but de désinformer et de piéger un maximum d'âmes qui s'éveillent par leur absence de discernement et par leur naïveté, nous faisons croire que regarder le négatif nourrit le négatif, alors nous consentons, par notre fuite, intention volontaire de déni et détournement du regard face à d'autres êtres vivants qui sont abusés, à la perpétuation de ces actes par ces forces. La majorité des humains aujourd'hui encore ne veut pas voir la vérité en face sur toutes les abominations encore perpétuées sur cette planète, telles que les mutilations génitales, mariage forcé, le trafic d'enfants et d'humains, la pédophilie, les crimes de guerre et la réalité des sacrifices et abus rituels sataniques au sein des élites, des célébrités illuminati et institutions religieuses. Beaucoup d'êtres humains également ne veulent pas prendre conscience du massacre et de l'abus des animaux perpétués pour l'industrie alimentaire, de la mode et pour l'industrie pharmaceutique, même lorsque l'information leur est présentée, où chaque année, 60 milliards d'animaux terrestres et 1000 milliards d'animaux marins sont sauvagement massacrés. Est-ce le signe d'une civilisation consciente? Il ne s'agit pas de tomber dans l'extrême opposé et de ne se focaliser uniquement que sur le négatif, au risque de tomber dans les fréquences très basses de désespoir et d'impuissance. Mais l'inverse est valable. Ne se focaliser uniquement que sur le positif est une vision distorsionnée de la réalité et dangereuse, car contribuant à créer des humains immatures et fragiles, qui pourront, par leur naïveté et déni, être utilisés et manipulés dans cette dimension ou dans les autres. Nous devons apprendre à être conscients des deux spectres des polarités, le positif et le négatif, de manière équilibrée et neutre. Et grâce à cette connaissance et conscience, nous pouvons ensuite faire le choix conscient de la maîtrise de nos énergies et du maintien d'une vibration élevée. Nous pouvons tout à fait avoir pleinement conscience de ce qu'il se passe réellement sur Terre et dans l'univers en termes de guerre cosmique et spirituelle, et maintenir une vibration élevée. C'est encore une fois même la véritable définition d'un être conscient et mature spirituellement. À quel moment choisissons-nous le déni et la fuite plutôt que l'affrontement des difficultés? À quel moment tournons-nous le dos consciemment à d'autres êtres en difficulté? Avons-nous conscience, lorsque nous achetons une barquette de viande, qu'il s'agit d'un morceau d'un animal découpé qui quelques jours avant était vivant? À quel moment avons-nous choisi consciemment le déni, même lorsqu'une information était présentée à nous, et avons continué nos choix d'avant pour maintenir notre scénario d'illusion? Sommes-nous des véhicules par lesquels passent parfois la violence et l'abus? Acceptons-nous la violence et l'abus dans nos relations, quelles qu'elles soient, que ce soit à travers d'un conjoint, de notre famille, d'un travail?
Technique numéro 6, le consentement au programme de misère sexuelle. Versus la considération de l'acte sexuel comme un acte sacré d'amour et l'incarnation du féminin et du masculin sacré. Pornographie, dégradation de la femme, pédophilie, trafic sexuel, prostitution, destruction de la cellule familiale, déviation sexuelle, échangisme, promiscuité, esclavagisme sexuel, relations sexuelles non effectuées sur la base de notre résonance énergétique, mais de pulsions basses des chakras inférieurs, inversement des centres de plaisir en confondant la douleur avec le plaisir, sadomasochisme, qui est une pratique satanique, abus rituels sataniques sur les enfants. Il est impératif aujourd'hui d'ouvrir les yeux sur la réalité de la misère sexuelle régnant au sein de la civilisation humaine. Programme de misère sexuelle ayant été mis consciemment sur Terre par ses forces et civilisations étant elles-mêmes patriarcales, sexuellement déviantes et abusives, ainsi que sataniques. Le problème n'est pas le sexe en lui-même, mais quelles énergies nous animent lors d'un acte sexuel ou d'une pensée sexuelle. Est-ce une énergie divine d'amour, de résonance vibratoire et spirituelle avec l'autre, de communion de deux êtres qui s'aiment? Sinon, alors il s'agit d'une relation sexuelle qui sera utilisée pour satisfaire les déviances et agendas d'entités de basse fréquence, qui siphonneront cette énergie sexuelle, et cela contribuera au programme de misère sexuelle implanté sur Terre. Si, dans nos pulsions, fantasmes et désirs, nous sommes attirés par des pratiques dégradantes, abusives et violentes, alors nous consentons directement au satanisme et à toutes les forces qui s'y rattachent, d'où proviennent entièrement ces pratiques. Lors des relations sexuelles déconnectées des humains, l'énergie sexuelle est siphonnée par ces entités qui ont créé des systèmes via toute forme d'implant éthérique pour récolter l'énergie sexuelle ainsi utilisée et libérée sans conscience. La majorité des humains, complètement déconnectés de ce qu'est une véritable relation sexuelle divine, se font embrigader dans toutes sortes de déviances et d'addictions, toutes créées dans le but de soutirer de l'énergie à l'humain ciblé ou de vivre dans la matière les déviances d'entités désincarnées. Comment consentons-nous au programme de misère sexuelle? Consentons-nous à la pornographie? Fredonnons-nous des chansons de célébrités incarnant ou prônant la misère sexuelle ainsi que la destruction du féminin et du masculin sacré? Acceptons-nous de perpétuer des schémas de machisme, misogynie, féminisme? Avons-nous des addictions sexuelles? Jouons-nous à des jeux malsains de séduction? La vibration de prédation qui est présente dans tous ces schémas n'est autre que la signature vibratoire satanique des archontes. Comment puis-je, sans me blâmer ni me culpabiliser car auparavant je ne savais pas, aujourd'hui honorer mes organes génitaux et mon corps et mettre ma sexualité au service de ma spiritualité et de l'accomplissement de mon plus haut potentiel divin? Comment puis-je incarner de plus en plus mon féminin sacré et mon masculin sacré et honorer cet acte d'amour divin entre deux êtres sur la même fréquence vibratoire, s'alliant pour être au service de la beauté, de l'amour et de l'harmonie? Technique numéro 7, le consentement à être empoisonné et intoxiqué. Versus la liberté de se nourrir de nourriture organique et d'éléments sains. Cigarettes, alcool, drogue, métaux lourds, chimie, nanotechnologie, vaccins. Avec des phrases telles que « il faut bien mourir de quelque chose »,« ah, si on ne peut plus rien faire », »,« mais cela me fait du bien de fumer, de me droguer, de boire, cela m'apaise », ou encore « tu ne sais pas t'amuser ». Programmation faite au préalable avec les films et célébrités utilisées pour banaliser ces actes et glorifiant tout ce qui détruit l'être humain. Les humains consentent à être intoxiqués et l'acceptent de leur plein gré. Avec par exemple, les paquets de cigarettes où il est inscrit clairement « fumez-tu ». Comment puis-je opter pour un mode de vie plus sain, plus respectueux de mon corps et de la nature? Comment puis-je, par mon pouvoir en tant que consommateur conscient, changer la réalité de ce monde en faisant des choix différents? Ce que je consomme est-il la représentation du monde que je veux voir? Quel degré de respect et de gratitude ai-je envers la chance que j'ai d'être en vie? Et comment puis-je honorer cela davantage?
Technique numéro 8, le consentement via les médias, l'industrie du cinéma et de la musique. Versus l'identification de toute forme d'illusion et de programmation mentale. Les archontes se nourrissent de toute forme d'idolâtrie, d'adulation et de vénération. Ainsi, en idolâtrant un acteur, une célébrité, une chanteuse, nous consentons à donner notre pouvoir et notre énergie à des entités qui se nourrissent de cela. À partir du moment où quelque chose devient obsessionnel, cela veut dire que nous ne sommes plus dans la maîtrise de nous-mêmes, et donc qu'il y a des fuites énergétiques considérables et infiltration d'entités qui profitent de cette ouverture. Certains humains vivent complètement par procuration, c'est-à-dire qu'ils ont complètement oublié leur mission spirituelle pour passer leur vie à idolâtrer quelqu'un qu'ils ne rencontreront probablement jamais, et qui est utilisé la plupart du temps par des entités pour soutirer l'énergie d'adulation des humains, influencer la masse, les maintenir dans l'illusion et les distraire de leur réel chemin spirituel. Aujourd'hui sur Terre, les célébrités ont plus d'impact et de popularité que n'importe quel prix Nobel, et la majorité des jeunes humains ne veulent pas devenir médecins ou enseignants, mais veulent devenir célèbres. Les réseaux sociaux ont accentué cette maladie qui contribue à rendre de plus en plus d'humains dépendants du regard des autres et vivant dans une réalité de plus en plus virtuelle. L'industrie du cinéma et de la musique contribue chaque jour à programmer mentalement des milliards d'humains dans leur consentement le plus total, puisque d'eux-mêmes, ils vont voir ces films et écoutent ces musiques. Le pouvoir créateur des humains est utilisé pour manifester des futurs potentiels chaotiques via la projection de films catastrophes dans leur psyché, afin de les faire, par la visualisation, la pensée alliée à la peur, manifester ces réalités collectivement. Ces entités n'ayant pas la capacité de manifester dans la 3D une réalité directement, doivent utiliser des véhicules physiques inconscients pour satisfaire leurs agendas. Les humains, confortablement installés devant leur programme de contrôle mental, retournent ensuite chez eux en discutant de quel acteur était le plus physiquement attractif. Pendant ce temps, leur consentement a été obtenu pour ce qui leur a été montré, et les énergies qu'ils ont libérées en expérimentant certaines émotions volontairement déclenchées pendant le film ont été récoltées par ces entités. Attention, cela ne veut pas dire que tout film est négatif, mais la plupart servent à programmer mentalement les humains. Ils sont utilisés pour obtenir leur consentement en leur montrant en avance des agendas futurs ou la réalité de leur monde pour qu'ils y consentent, à se nourrir de leurs émotions et à les dévier de leur chemin spirituel dans le divertissement et les préoccupations de l'ego. Aujourd'hui, nous remettons des Oscars aux meilleurs acteurs, c'est-à-dire qu'il est plus récompensé dans notre société à l'heure actuelle de jouer la comédie que d'être authentique. L'illusion est encouragée et glorifiée. Est-ce vraiment le monde dans lequel nous voulons vivre? Par ailleurs, la plupart des célébrités de haut niveau sont ce que l'on appelle des Illuminati. C'est-à-dire que pour en arriver là, ils ont consenti à ce que l'on appelle « vendre leur âme au diable », c'est-à-dire faire des rituels sataniques et en subir, ainsi que des pactes avec certaines entités pour obtenir en échange de leur offrande de toutes ces âmes, la gloire et la célébrité. Ce ne sont pas des mythes. Énormément de ressources et de témoignages sont aujourd'hui disponibles sur cette réalité. Et c'est la responsabilité de chacun que de s'informer sur ces sujets graves, étant donné que ces individus font partie des personnes ayant le plus d'influence sur la conscience collective humaine. Ces âmes sont ensuite possédées, fragmentées et utilisées pour programmer mentalement les humains, les pervertir, détruire le féminin sacré et le masculin sacré en eux, les rendre dans la débauche, l'absence de valeur morale, les addictions et la plupart du temps les faire consentir au satanisme. Le programme de contrôle mental le plus connu et utilisé pour la majorité des célébrités de haut niveau est appelé MKUltra. Et il est vivement conseillé de faire des recherches sur le sujet, afin de devenir des individus responsables et conscients de ce qu'il se passe dans l'industrie de la musique et du cinéma, et afin de ne plus cautionner cela par consentement détourné. Suis-je conscient de ce que je chante quand je fredonne une chanson? Quel consentement suis-je en train de donner en répétant machinalement des paroles dont je ne comprends même pas toujours la signification?
Ai-je conscience que la musique est utilisée pour pénétrer mon cerveau via certaines fréquences et ondes, pour qu'ensuite différentes entités et programmes de contrôle mental puissent pénétrer ma conscience? Encore une fois, le discernement vibratoire, la connaissance de ces réalités et l'identification de toute forme d'illusion et de programmation mentale est la clé pour ne plus être manipulé et leurré. Et pour reprendre son pouvoir, afin de choisir uniquement des films et des musiques qui nous inspirent vers notre plus haut potentiel divin. Technique numéro 9, le consentement à la fausse lumière et à la déception New Age versus le discernement vibratoire. En étant dans le déni, la naïveté ou l'ignorance de la manipulation et de la déception New Age, nous consentons à être leurrés par des entités de fausse lumière. Faux maîtres ascensionnés, faux anges ou archanges, faux extraterrestres positifs, etc. Ainsi que par des vecteurs de désinformation. Par exemple, des gourous spirituels utilisés pour piéger les âmes qui s'éveillent dans les filets du New Age et de la fausse lumière. Des expérienceurs ufologiques prétendant que les abductions sont positives, que les implants sont positifs ou pire, qu'il n'y a pas d'extraterrestres négatifs et qui encouragent l'appel d'OVNI et la sollicitation de rencontres extraterrestres. Ou encore, qui transmettent que l'hybridation avec ces races est notre devoir afin de les aider, alors que leur objectif est la possession totale à terme du corps des humains via la modification génétique et le transhumanisme. De quelle manière consentons-nous à être leurrés? Avons-nous honnêtement complètement ouvert les yeux sur la manipulation New Age? Comprenons-nous réellement les enjeux de ce qu'il se passe? Sommes-nous dans le déni que tout cela puisse exister, sans avoir fait de recherches poussées sur le sujet ou expérimenté suffisamment de choses dans ce domaine? Notre peur d'être désillusionné surpasse-t-elle notre volonté de découvrir sincèrement la vérité? Le discernement vibratoire s'obtient par un travail spirituel constant et une sortie impérative de toute forme de déni ou de peur d'être désillusionné. Le discernement vibratoire est la capacité à discerner vibratoirement, c'est-à-dire énergétiquement, la signature vibratoire d'un courant, d'une force, d'une énergie traversant un individu, une phrase, un livre, etc. À l'heure actuelle, la plupart des humains discernent uniquement avec leurs yeux physiques. Par exemple, je vois Jésus ou l'archange Michael apparaître en rêve, c'est donc que ce sont eux. Or, ces entités ont la capacité de prendre n'importe quelle apparence physique, de contrôler notre mental, nos rêves, et même d'orchestrer de fausses synchronicités dans nos vies. Ainsi, il est impératif que nous développions notre discernement vibratoire, afin d'apprendre à voir au-delà des apparences et à ressentir, via notre corps, la signature vibratoire derrière tout ce que nous voyons. Cela implique un grand travail de maturité spirituelle, de libération spirituelle et de guérison spirituelle, qui demanderont discipline, force et courage de suivre sa propre voie interne et ses propres intuitions de l'âme au fur et à mesure que nous expérimenterons les symptômes de l'ascension. Une fois que nous sommes informés de la présence extraterrestre négative et de leurs techniques d'interférence, de manipulation du libre arbitre et de déception, nous pouvons retrouver notre véritable pouvoir de dire non et notre pouvoir de créateur de notre réalité et de maîtrise de nos vibrations afin de ne plus donner d'énergie à ceux qui tentent de nous parasiter et afin de pouvoir nous consacrer entièrement à la réalisation de notre mission spirituelle. Technique numéro 10, le consentement au transhumanisme versus l'identification des procédés de déconnexion des humains à leur divinité, nature organique. Le danger du transhumanisme est une réalité sérieuse et qu'il faut impérativement comprendre afin de ne pas donner son consentement à cette tentative de déconnexion complète de l'être humain, de sa nature organique et divine. Les civilisations Anunnaki, reptiliennes, draconiennes et races de gris sont extrêmement développées technologiquement, mais non spirituellement, malgré les mains tendues qui leur ont été présentées de nombreuses fois pour se réhabiliter. Chaque fois que ces aides leur ont été proposées dans le passé, ils ont abusé de la générosité des races bienveillantes pour les manipuler ou les exterminer ensuite. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus reproduire ces mêmes erreurs.
et faire très attention à notre empathie et surtout à notre naïveté qui seront utilisées contre nous si nous ne sommes pas suffisamment matures et que nous n'avons pas suffisamment de discernement vibratoire. L'intelligence artificielle est une création des archontes qui vient décimer peu à peu tout sur son passage, réécrivant par-dessus le programme organique divin. Ces races extraterrestres et extradimensionnelles existant dans des dimensions invisibles à l'œil nu pour la plupart des humains manipulent le corps éthérique via toutes sortes d'implants d'intelligence artificielle qu'il convient de comprendre aujourd'hui. Les techniques de séduction auprès des masses pour l'infiltration de l'intelligence artificielle se multiplient de plus en plus, les humains s'habituant et acceptant de plus en plus d'intrusions technologiques dans leur vie. La technologie en soi n'est pas quelque chose de négatif, mais mise dans les mains de personnes ignorantes de la guerre spirituelle multidimensionnelle qui est opérée sur Terre et dans l'univers, et n'étant pas elle-même capable de discerner quand une idée provient de leur âme ou quand elle est insufflée par ses forces, cela devient extrêmement dangereux. Quelle est la place de la technologie dans ma vie? Va-t-elle remplacer peu à peu mes véritables interactions avec d'autres humains? Est-ce que je passe du temps dehors, dans la nature, avec d'autres êtres vivants? Ou suis-je enfermée devant mon ordinateur, ma console de jeu, ma télévision ou mon smartphone, à vivre une vie virtuelle? Seule la conscience de ce qu'il se passe réellement et de manière multidimensionnelle permettra aux humains de cesser de donner leur consentement direct ou indirect à ce qui les détruit ou vise à les détruire. Ces informations peuvent sembler lourdes pour ceux qui commencent leur chemin d'éveil, ou encore pour ceux qui commencent seulement à sortir des endoctrinements New Age pour s'éveiller à la réelle situation sur Terre et dans le cosmos. Il est conseillé de respecter notre propre rythme d'intégration de ces informations et surtout de ne jamais se blâmer, ainsi que d'être dans la bienveillance envers nous-mêmes si nous avons des difficultés aujourd'hui à comprendre certaines choses. Laissons-nous le temps de comprendre, par notre travail, notre bonne volonté et nos expériences. L'important est toujours notre intention. Notre enthousiasme d'apprendre devrait toujours surpasser nos peurs de ne pas savoir. Aujourd'hui, les informations sont disponibles et dès lors que nous émettons la claire intention de découvrir la vérité, elle nous sera présentée. Mais elle implique encore une fois un grand courage, une volonté de sortir du déni et une acceptation d'être grandement désillusionné. Ce qui ne veut pas dire perdre toute forme de joie de vivre. Aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi consciente de la réalité de notre monde, après de nombreuses années de travail spirituel personnel. Et pourtant, je n'ai jamais été aussi spirituellement comblée, heureuse et alignée que je ne le suis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la majorité des humains associent l'ignorance avec le bonheur et l'illusion avec la légèreté. On glorifie ceux qui parlent d'amour et de choses légères et on avilit ceux qui tentent de lever le voile sur ce qui a depuis trop longtemps été commis loin des regards. Mais aujourd'hui, les voiles tombent et à chaque fois qu'un voile tombe, ce sont des milliers d'âmes qui sont libérées car elles sont enfin vues. Le silence tue. Les non-dits tuent. Le déni tue. L'heure n'est plus aux métaphores, mais à l'énonciation claire et précise de tout ce qui a été fait à l'humanité. Et plus nous serons à oser exposer les responsables et leurs actes, plus les rideaux vont s'ouvrir. Et après le choc de la désillusion, viendra le temps de la reconstruction. Beaucoup d'entre nous sommes venus pour cela, pour provoquer ce lever du voile massif et pour assister dans cette reconstruction progressive sur de nouvelles bases en accord avec les lois universelles. Le problème n'a jamais été la polarité négative en elle-même, qui elle aussi a le droit d'exister. Le problème vient lorsque les deux polarités sont complètement déséquilibrées, comme ce fut le cas dans cet univers, et ce depuis des milliers et des milliers d'années. Aujourd'hui, le cosmos a sonné l'heure du retour à l'équilibre et à l'équité. Ces forces ont interféré avec le droit divin de tout être à évoluer spirituellement, en maintenant l'humanité volontairement ignorante et en lui cachant les lois universelles qui la gouvernent, ainsi que sa véritable identité cosmique. Aujourd'hui, l'être humain est en droit de savoir ce qu'il a subi, qui a commis ses crimes, et est en droit de retrouver son véritable pouvoir, pour pouvoir désirer le remettre au service de la vie.
Je vous remercie pour votre écoute et pour votre implication dans ce processus d'ascension et de libération de l'humanité et de la planète Terre.